Nous sommes au cœur de Jumièges. Jumièges dont Victor Hugo disait que c'était la plus belle ruine de France. Jumièges qui, en tout cas, a été le plus ancien et le plus important monastère bénédictin de Normandie. Et si nous avons décidé de commencer ce nouvel épisode du Grand Tour ici, eh bien, c'est parce que cette abbaye a été entièrement dévastée en 841 par des envahisseurs venus du nord, venus du froid, qu'étaient les Vikings. Et ces Vikings, eh bien, se sont pour la plupart installés ici en Normandie, sont devenus normands et nous ont laissé un héritage considérable. C'est cette histoire que nous allons vous raconter, une histoire qui commence en Norvège, qui se terminera en Sicile, en passant par la Normandie. En Norvège, nous avons trouvé des traîneaux dans les tombes vikings. Vous savez qu'au temps des vikings, on pensait que le voyage dans l'au-delà devait se faire par bateau. Il faut imaginer que le roi était assis au milieu de ses sujets et de ses invités. Les Normands, à cette époque, sont les seuls à utiliser le cheval comme arme de guerre. Ce qui nous reste des Normands, c'est le caractère. Ce campanile est un des rares vestiges que Melfi ait conservé de la période normande. C'était l'expression typique de cette culture normande, de cette culture extrêmement ouverte. Il y avait un raffinement superbe à Palerme. C'était une ville magnifique. Pour la première étape de notre voyage sur les traces des Vikings, je vous emmène près de Stavanger, au sud-ouest de la Norvège. Ce lieu occupe une place particulière dans l'histoire du pays. Il est le berceau de la monarchie norvégienne. C'est ici, dans ce fjord près de Stavanger, qu'a eu lieu au IXe siècle une bataille décisive entre trois royaumes vikings. De cette bataille va naître, en effet, l'unité de la Norvège. Et cette unité, elle est incarnée, elle est symbolisée par, vous le voyez, ce monument, un monument élevé au XXe siècle, qui représente trois grandes épées en bronze scellées dans la roche. Scellées dans la roche pour bien montrer aux générations futures que les armes ne peuvent être reprises et que la paix n'est durable que dans l'unité, une unité aujourd'hui incarnée par la monarchie. Au XIIIe siècle, Oslo devient la capitale de la monarchie norvégienne. Construite sur un fjord vraisemblablement en 1048,
la ville offre à ses 600 000 habitants une qualité de vie exceptionnelle. Ce territoire, que l'on appelle Viken, était à l'époque un important comptoir commercial viking. Nous arrivons à Oslo le 17 mai, jour de la fête nationale. En Norvège, pas de parade militaire. Ce sont les enfants qui défilent avec la bannière de chaque école du pays. L'occasion pour les familles de revêtir le costume national, le bunad. Maintenant, nous allons vers le palais royal. Il sera très important pour chacun de nous de saluer le roi. C'est surtout pour montrer notre respect envers la famille royale. La royauté est essentielle pour nous. Cela nous donne le sentiment d'appartenir à une nation. La famille royale a une grande valeur symbolique en Norvège. Au balcon du palais, le roi Harald V et sa famille. Ils sont les héritiers de la célèbre lignée des rois vikings qui, pendant trois siècles, ont régné sur la Norvège. La monarchie norvégienne a plus de 1000 ans. Depuis le 9e siècle, une soixantaine de souverains se sont succédés à la tête de cet État. Cette monarchie, on la doit à un homme, un viking, Harald. Harald Ier, surnommé Harald à la belle chevelure. La légende nous dit qu'Harald était follement amoureux d'une jeune et belle jeune fille appelée Gyda. Et Gyda, en échange de son amour, aurait demandé à Harald d'unifier le pays. C'est ce qu'il va faire, il va s'engager dans cette aventure et pour témoigner de son engagement, il aurait déclaré qu'il ne se couperait les cheveux qu'après avoir accompli sa mission. Et voilà, ainsi, plusieurs années se passent, et d'alliance en alliance, de combat en combat, de victoire en victoire, eh bien, Harald réussit à unifier le pays, qu'il va diriger pendant 60 ans, après s'être, bien sûr, fait couper sa belle chevelure. Avant que la Norvège ne soit unifiée au 9e siècle, le territoire se composait de 29 petits royaumes. Ils étaient dirigés par des rois vikings ou des chefs de tribus qui se disputaient le pouvoir et les terres fertiles. Nous nous rendons à une centaine de kilomètres au sud d'Oslo, dans le comté de Vestfold. En 2007, des fouilles ont mis au jour, dans la ville de Borø, les vestiges d'une occupation royale viking. Cet édifice reconstitué est une grande halle, le cœur de la résidence du roi. À partir du 9e siècle, toutes les tribus d'Europe du Nord viennent ici pour tisser des alliances. Nous y rencontrons Anne. Elle est archéologue. Il faut imaginer que le roi était assis au milieu de ses sujets et de ses invités. Il organisait de grandes cérémonies et de somptueux dîners. Habituellement, le trône se trouvait contre le mur le plus long, au milieu de la halle. Mais selon la tradition, plus l'on était assis près du roi, plus le rang était important. Lorsqu'il portait un toast, il le faisait tous en même temps, en levant le verre très haut. Il buvait au même moment pour éviter que le voisin ne puisse donner un coup de couteau. C'est comme ça qu'est née la tradition du toast. Ici, le roi donne des festins durant lesquels ses invités sont couverts de cadeaux. En échange, ces derniers prêtent serment de fidélité à vie. Pour allier de nouveaux partisans, le chef exhibe ses trésors. Ce sont surtout des matériaux précieux ramenés des dernières expéditions.
des bijoux en or ou en argent. Mais aussi des monnaies étrangères. Elles montrent que les Vikings traitaient avec les Africains, les Arabes, les Chinois ou les Indiens, bien avant Marco Polo. Les piliers de la halle racontent les légendes des rois de Norvège. Ils nous renseignent aussi sur la place de la femme dans la société viking. Par exemple, à l'époque, les femmes étaient autorisées à changer de partenaire. Quand on lit les sagas et quand on lit les descriptions des femmes, leurs caractéristiques et leurs qualités, on voit clairement qu'il était bien vu d'être indépendante, têtue, forte, d'avoir du courage. C'était là des qualités que l'on recherchait chez une femme. Les hommes voulaient des fils forts avec des traits de caractère marqués. Et c'était important pour eux de trouver une femme qui possède ces qualités. Pour les Vikings, l'audace est une vertu, la faiblesse, un crime. Le maniement des armes leur était enseigné dès le plus jeune âge. Grâce à leur force physique, ils excellent dans le corps à corps et dans les attaques surprises. Harald, à la belle chevelure, n'a pas hésité à combattre pour affirmer sa puissance, son courage et unifier la Norvège. Les Vikings étaient prêts à se battre jusqu'à la mort, car un paradis leur était réservé. Dans la mythologie nordique, le Valhalla accueille les guerriers morts les armes à la main. Les Vikings étaient des païens, ils croyaient en une multitude de dieux. Odin, père de tous les dieux, les exhorte au courage et à la force physique. Les Vikings respectaient son code d'honneur. Avec son fils Thor, Odin guide les combattants sur les champs de bataille. Symbole de cette religion guerrière, les Valkyries sont des demi-déesses qui manient la lance comme les hommes. Elles accompagnent les guerriers au combat, attisent leur courage et les soignent s'ils sont blessés. Les coutumes funéraires vikings étaient également dictées par Odin. Pour les hommes d'importance, un tumulus est érigé à la mémoire du défunt, comme ici. Nous nous trouvons sur un site exceptionnel. Voici l'un des plus grands cimetières vikings du monde, à proximité de la grande halle de Borøe. C'est sous un monticule comme celui-ci qu'a été découvert en 1904 ce que l'on appelle le bateau d'Osberg, un navire de près de 22 mètres de long. Il est devenu une incroyable source d'informations sur les Vikings et plus particulièrement sur leurs rites funéraires. Ce bateau est aujourd'hui exposé au musée des navires vikings d'Oslo. Vous savez qu'au temps des Vikings, on pensait que le voyage dans l'au-delà devait se faire par bateau. C'était sans doute un rite réservé aux puissants. D'ailleurs, on a retrouvé à son bord deux corps inhumés, deux corps de femmes, dont l'une probablement devait appartenir à la grande noblesse, puisqu'elle était accompagnée de sa servante et surtout entourée de beaucoup d'offrandes et d'un certain nombre d'objets du quotidien qui devaient lui permettre de continuer son voyage et de mieux vivre dans l'au-delà. Le bateau était par exemple chargé de tissus, de la soie, de la laine, des petites tapisseries qui demeurent de rares témoignages de l'utilisation du textile à l'époque.
Parmi les autres objets découverts avec le navire, ce traîneau richement sculpté. Ou encore ce coffre en bois. Jusqu'à la découverte du bateau d'Osberg, on ne savait pas grand-chose des navires vikings. Pourtant, la mer, ses richesses et ses perspectives de conquête tenaient une place essentielle dans cette société. C'est près de Tønsberg qu'a été retrouvé le bateau d'Osberg. Fondée en 871, cette ville est longtemps restée la cité des rois vikings. Elle est aujourd'hui la capitale du comté de Vestfold. Connue pour ses activités maritimes, la région était le point de ralliement des chasseurs de baleines. De nos jours, on y vit de la pêche et de la construction de bateaux. Notamment grâce aux ressources en bois considérables du pays. Ah, combien de chauffages, ça ? Construire des bateaux selon les techniques vikings, tel est le défi que s'est lancé une équipe d'experts. Ils sont forgerons, charpentiers, archéologues, biologistes ou historiens. Ils n'utilisent que des matériaux et des outils traditionnels. Au fur et à mesure des travaux, ils découvrent le génie naval des vikings. Reproduire ces gestes ancestraux permet de mieux comprendre le savoir-faire de leurs ancêtres. C'est ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. L'équipe a ainsi compris que pour les Vikings, seul comptait la maniabilité, la légèreté et la souplesse du bateau. Mais sa caractéristique principale reste la symétrie. L'avant et l'arrière étaient identiques. Les Vikings pouvaient donc avancer ou reculer avec la même facilité. Ces navires Vikings, on les connaît sous le nom de drakkar. Le terme est aujourd'hui passé dans le langage courant. Ce sont les Français qui les ont baptisés ainsi au XIXe siècle, sans doute en référence au dragon que le navire arborait à sa proue. Ce dragon avait un rôle magique. Il devait effrayer les esprits maléfiques ou les populations locales. Si les Vikings sont devenus des navigateurs exceptionnels, ils le doivent également à leur voile, capable de résister aux vents les plus extrêmes. Ces voiles étaient tissées en laine de mouton. Preben élève une race historique. L'ADN de ces moutons a été analysé par des scientifiques. Il correspond à celui des ossements découverts dans la tombe d'Osberg. La toison de ces moutons est d'une très grande qualité. Elle contient beaucoup de lanoline, qui la rend imperméable et très résistante lorsqu'elle est tissée de manière serrée. C'est très gras et très beau. On voit comme mes mains brillent avec cette laine épaisse et grasse, ce qui fait qu'elle ne se détache pas. Dans les vieux bateaux traditionnels, on utilisait la peau lainée. Vous voyez comme la laine se déroule facilement. On voit que les poils sont longs, drus et résistants. Même si on tire fort, elle est presque impossible à déchirer. Vous voyez comme c'est résistant. Indispensable à l'habillement, à la fabrication des tentes et des voiles, cette laine sert aussi à faire du troc lors des expéditions. Les scientifiques
en conclut que pour réaliser les 110 mètres carrés de la voile du navire d'Osberg, il avait fallu entre 3 et 5 ans de travail. On sait désormais que la voile était un objet de grande valeur chez les Vikings. Elle coûtait aussi cher qu'un bateau. C'étaient les femmes qui étaient en charge du tissage. 12 ans ont été nécessaires à cette équipe d'experts pour construire cette réplique grandeur nature du bateau d'Osberg. Sortir le bateau en mer, naviguer comme ses ancêtres, c'est toujours un moment émouvant pour Geir, le directeur de l'équipe. Comme nous avons utilisé les mêmes outils qu'à l'époque viking, nous devions travailler de la même façon. Il n'y a pas de doute, en construisant ce bateau, nous avons eu le sentiment d'être des vikings. Nous avons les mêmes impressions et les mêmes expériences qu'ils ont eues à l'époque. Nous avons un grand respect pour eux, du fait qu'ils avaient plus de connaissances que nous. Nous devenons un peu vikings, malgré tout. Vient enfin le moment de hisser la grand voile. Les bateaux vikings étaient destinés au commerce et aux expéditions guerrières. Dans tous les cas, ces navires sont révolutionnaires pour leur époque. Leur performance était comparable aux navires marchands de la fin du 19e siècle. Omniprésente ici en Norvège, la mer bien sûr, les fjords, les lacs, les rivières. Ce pays revendique d'ailleurs le littoral le plus découpé du monde et le plus long d'Europe. Alors en regardant ces paysages avec ces étendues d'eau qui pénètrent dans les vallées, on comprend mieux pourquoi le bateau chez les Vikings était une nécessité vitale et pourquoi ils sont devenus au fil des temps des navigateurs hors pair. Aujourd'hui encore, les Norvégiens ont dû trouver des solutions pour apprivoiser ces côtes dentelées. Voici la route de l'Atlantique. 12 ponts relient une multitude d'îles sur plus de 8 km. Longeant ainsi la côte ouest de la Norvège, nous atteignons la mer Blanche et l'océan Arctique. C'est une route maritime légendaire que prenaient les Vikings. Elle existe toujours. Aujourd'hui, elle est empruntée par les bateaux de l'Hurtigruten. Cette compagnie, créée en 1893, est devenue une véritable institution. Ces navires desservent les 34 ports du littoral norvégien sur près de 2500 km. C'est très normal en Norvège. Assis dans la neige, on peut sentir le pouvoir de la nature tout en buvant un verre de champagne. C'est super. Allez, on se fait les abdos. On fait du sport n'importe où, quel que soit le temps. Nous sommes des Vikings, des vrais. Cette ligne maritime a longtemps été le seul lien entre les Norvégiens du Nord et ceux du Sud. La mission originelle de ces bateaux était d'acheminer marchandises et courriers en toute saison. Just
Capables de naviguer de jour comme de nuit à travers les îles et les fjords, les navires de l'Hurtigruten relèvent tous les défis. Comme leurs ancêtres vikings, ces pilotes ont appris à apprivoiser la côte. C'est comme si l'on naviguait dans un tableau, et ce n'est jamais la même chose. À chaque voyage, c'est différent, et le temps change tout le temps. Ici, par exemple, on sait qu'il y a eu des vikings. Quand on y pense, aujourd'hui, tout est facile pour nous. Nous avons des radars, nous avons des instruments à écho, des GPS, et tout ce dont on a besoin pour relier un point A à un point B. Avant, il n'y avait que le visuel pour naviguer. Si jamais la neige tombait, il fallait attendre une éclaircie avant de pouvoir continuer. Les Vikings naviguaient sans boussole, sans soleil et souvent sans étoiles. Ils avaient une extraordinaire mémoire des routes, un savoir qu'ils se transmettaient de génération en génération. À chaque instant, les Vikings savaient où ils se trouvaient. Ils avaient une vigie, quelqu'un qui était à l'avant du bateau et qui regardait tout droit. Ils décrivaient tout ce qu'ils voyaient. En plus, ils utilisaient des lotskud, c'est-à-dire une sorte de câble avec du plomb qu'ils envoyaient jusqu'au fond de la mer pour en mesurer la profondeur. De ces voies maritimes, les Vikings ont créé des comptoirs commerciaux. À 200 km au nord du cercle polaire arctique, ils ont fondé une colonie dans l'un des plus beaux archipels du monde, les îles Lofoten. Ces îles sont bordées par un célèbre courant marin, le Gulf Stream. Malgré sa proximité avec le pôle Nord, les températures y sont toujours positives. Cette anomalie climatique fait la richesse des marins des Lofoten depuis plus de 1000 ans. Sven et son petit-fils, Erland, sont tous les deux pêcheurs professionnels. Ils pratiquent l'une des plus anciennes pêches saisonnières du monde. Chaque année, entre janvier et mars, des millions de poissons descendent de l'Arctique pour profiter de la chaleur du Gulf Stream. C'est du skrei. Quand je pars en mer avec mon fils, en un quart d'heure, on peut en avoir autant qu'on veut. Le skrei, c'est le roi du cabillaud, l'or des Lofoten. Grâce à ce poisson, les Vikings trouvent la base d'une alimentation hyperprotéinée. On peut couper ici et également les filets dans la mâchoire. Quand tu coupes la tête, là, jusqu'ici sous les yeux et derrière ici. On peut cuisiner toutes ces parties. C'est très bon. On peut faire du caviar aussi. Et avec le foie, on fait de l'huile de foie de morue. C'est grâce au cabillaud que nous sommes venus ici. Sans cabillaud, il n'y aurait pratiquement pas d'habitation dans le coin. Tout ici tourne autour du poisson. La pêche au cabillaud remonte au Xe siècle, lorsque les Vikings ont commencé à exploiter cette ressource. Depuis, les Lofoten sont au cœur de la mythologie nordique, car cette pêche miraculeuse est également très dangereuse. Les marins doivent affronter un phénomène redoutable, le maelstrom, un puissant tourbillon créé par les courants. Ce terme est né ici, dans les îles Lofoten. Au fil des siècles,
il a donné lieu à toutes sortes de fantasmes. De nombreux écrivains, tels que Jules Verne ou Edgar Allan Poe, s'en sont inspirés. Selon les légendes vikings, géants et valkyries hantaient déjà cette région au début du Moyen Âge. Ce paysage, si singulier des Lofoten, n'a pas changé depuis l'ère viking. On y trouvait déjà à l'époque ce poisson en train de sécher. L'air pur et le froid du cercle arctique rendent le cabillaud dur comme du bois. C'est le poisson bâton. Ici, on l'appelle stockfish. Depuis trois générations, Olaf et son oncle, Ansgar, perpétuent ce savoir-faire. Comme le bon vin, la qualité d'un poisson séché se reconnaît d'abord à son odeur. Il faut que je le sente pour m'assurer que le poisson est vraiment sain. Quand le poisson est sain et en bonne santé, il a une bonne odeur. C'est une odeur qui n'est pas amère, qui sent le bon poisson. Et tout ceci sent parfaitement bon. Suspendu, le cabillaud perd environ 70% de son eau, tout en gardant ses qualités nutritives, et peut ainsi se conserver plusieurs années. Une aubaine pour les Vikings, qui avaient ainsi de quoi se nourrir pendant leur long périple en mer. En fait, la production du poisson séché a commencé avant l'époque des Vikings. Mais ce sont les Vikings qui ont commencé à le commercialiser en l'emmenant avec eux à travers le monde. Ce poisson séché, c'est exactement le même qu'au temps des Vikings, il y a 1000 ans. D'ici deux mois, le poisson d'Olaf sera expédié dans toute l'Europe, principalement en Italie où le stockfish est un mets très recherché. Des bateaux performants, de la nourriture en quantité et un certain esprit d'aventure, tout cela va amener les Vikings à aller toujours plus loin à la conquête de nouvelles richesses. Ottar de Hålogaland est l'un de ces aventuriers. Au IXe siècle, il découvre une voie maritime entre la Norvège et la Russie. Un long périple qui va le mener vers le pôle Nord. C'est le premier récit viking qui nous est parvenu. Ottar y raconte comment il a parcouru les régions les plus désertiques et les plus isolées du globe. Nous sommes à l'extrême nord de la Norvège. Arne et sa femme Marianne sont des mushers, des éleveurs de husky. Elle est championne du monde de course de chiens de traîneau. Les chiens ont toujours accompagné les conquêtes des Vikings. En Norvège, nous avons trouvé des traîneaux dans les tombes vikings. Ils étaient fabriqués selon les mêmes principes qu'aujourd'hui, principalement avec deux côtés et une plateforme au-dessus. Cela fonctionne aussi bien aujourd'hui qu'autrefois. Les luges étaient maniables et capables de supporter de lourdes charges. De cette manière, ils transportaient du bois et de la tourbe des marais pour en faire du combustible. En hiver, le transport se faisait avec des luges tirées par des chevaux. Pour
Pendant leur entraînement, qui peut durer plusieurs jours, le couple est confronté à la rudesse du Grand Nord. Tout est couvert de neige. C'est comme un désert de glace. Pourtant, il y a beaucoup de lacs, des milliers de lacs avec du poisson. Il y a aussi des perdrix, des rennes, dont on peut voir les traces. Là, il y a justement un troupeau qui vient de passer. On ne manque pas de ressources, même si cela ressemble à un désert tout blanc. Je crois qu'on pourrait facilement se débrouiller parce que nous avons l'habitude de vivre en extérieur. On peut trouver de l'eau, aller à la chasse, dépecer les animaux et toutes sortes de choses. Tout comme l'aventurier viking, Marianne et Arne ont appris à utiliser les ressources naturelles de la région. En pêchant dans la glace, on n'est jamais sûr de trouver de la nourriture, car le poisson peut être mal luné. Si le vent ne souffle pas dans la bonne direction ou si la pression atmosphérique est mauvaise, ça ne mord pas. Dans le Grand Nord, à l'époque, Ottar de Hålogaland est venu chercher fortune. L'explorateur va y trouver un animal de grande valeur, le renne. Il était prisé pour sa fourrure, ses bois et sa viande. Ce troupeau appartient à Isaac Matisse. Il fait partie du dernier peuple indigène d'Europe, les Samis. Ce peuple serait présent sur ces terres depuis plus de 10 000 ans. Grâce à son voyage, Ottar nous lègue le premier témoignage sur ces éleveurs de rennes. Depuis le temps des Vikings, les migrations de rennes n'ont pas changé. Ils commencent à migrer vers le nord au printemps et vers le sud en automne. La différence, c'est que nous avons des équipements modernes. La voiture, le scooter, le 4x4, c'est ça qui a changé. La migration des rennes, elle, et le fait que nous les suivions, est restée complètement inchangée. Aujourd'hui encore, les Samis, appelés aussi Lapons, vivent au rythme des grandes transhumances. Tous les jours, Isaac doit compter les rennes de son troupeau. Là, je suis en train de vérifier les entailles sur les oreilles. Pour se débrouiller avec les rennes, c'est la première chose que l'on doit savoir. Il faut pouvoir reconnaître les entailles. Les rennes se nourrissent de lichen. Et pour le trouver, ils grattent la neige. Chaque printemps, le dégel pousse les troupeaux à aller chercher de la nourriture vers l'océan. Aujourd'hui, 40% des Samis vivent toujours de l'élevage des rennes. Pour suivre le troupeau, Isaac et sa famille habitent sous la tente, comme leurs ancêtres. Une façon pour eux de préserver leur culture, leur tradition et aussi leur langue. Par exemple,
Par exemple, nous avons plus de 300 mots pour décrire la neige. Ça, c'est de la neige mouillée. On l'appelle Niazou. Et ça deviendra de la neige dure, skareux. Je trouve que c'est très important, car nous avons notre propre langue. Et ainsi, notre culture continue de vivre. C'est ainsi depuis des générations. Cela fait partie de nous et cela continuera aussi longtemps que nous élèverons des rennes et que nous vivrons sous des tentes. Avant de quitter la Norvège, je vous emmène dans la région du Sognefjord. On trouve ici les dernières Stavkirke. Ces incroyables églises en bois ont réussi à traverser les siècles. Aujourd'hui, il en reste 28 dans tout le pays. Voici l'une des plus anciennes, l'église d'Urnes. Elle témoigne de la christianisation de ce peuple viking, à l'origine profondément païen. Le christianisme finira par s'installer ici en Norvège, officiellement en 152. Mais alors que dans le reste de l'Europe, on bâtit, on construit des cathédrales en pierre, eh bien ici en Norvège, on continue à édifier des églises en bois, selon la tradition et les techniques vikings. Et c'est le cas de cette magnifique église d'Urnes. Elle a été construite en 1131. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un pur chef-d'œuvre. On va la découvrir de l'intérieur. L'église doit son incroyable état de conservation à une technique bien particulière. Le bois a été entièrement imprégné de goudron de pin. Ce savoir-faire a permis de protéger le bâtiment pendant plus de 800 ans. On appelle ces églises des églises en bois debout. Elles doivent leur nom à ces piliers enfoncés dans le sol. À Urnes, ils sont ornés de chapiteaux qui rappellent ceux des églises de pierre romane. Chacune des faces sculptées porte un décor différent dont l'originalité et la finesse ont scellé la renommée du lieu. Le bois s'impose encore pour les statues du Christ, de Marie et de Jean. Elles datent du XIIe siècle. Les églises en bois debout sont aujourd'hui considérées comme des symboles, des chefs-d'œuvre de l'architecture des pays scandinaves. La christianisation sonne la fin de la période viking en Norvège. Mais pendant les trois siècles précédents, les Vikings ont parcouru toute une partie du monde, notamment l'Europe et le nord de la France. Car l'histoire des Vikings va bien au-delà du territoire scandinave. Au IXe siècle, les hommes du Nord vont assaillir les côtes de la Manche et les rives de la Seine. Ils mènent de véritables raids, pillant villes et monastères, puis repartent en Scandinavie, les bateaux chargés d'or, d'argent et d'esclaves. Comme sur leur territoire, ils nomment en Normandie les points remarquables du littoral pour repérer leur position et pour éviter les dangers liés à la navigation.
Dans le Cotentin, au Cap de la Hague, la linguiste Elisabeth Riedel a retrouvé quelques-uns de ses points de repère. Alors, vous voyez ici ce gros rocher, c'est la roche Gélétan sur les cartes IGN, mais les habitants l'appellent Jaletin, hein, qui est plus proche d'ailleurs de l'origine scandinave de ce nom de rocher, Jalestein, qui veut dire la roche en ancien scandinave. Donc c'est un rocher qui domine, vous voyez, toute une baie, hein, qui a dû servir d'amer aux navigateurs vikings. Un amer, hein, c'est un point de repère quand on est en mer, quand on est en bateau. C'est l'ancêtre un peu des cartes géographiques. Hein, on n'avait pas encore de cartes papier. Et le seul moyen de se rappeler les lieux où le navigateur allait, c'était de nommer les points. Et c'était transmis de génération ou de navigation en navigation. À la fin du 9e siècle, une communauté de vikings s'établit dans la région. Leur présence est attestée par les noms qu'ils donnent au lieu. La Hague, par exemple, vient de l'ancien scandinave Hagi, qui signifie prairie. Autre témoignage avec ce promontoire rocheux appelé Nez de Jobourg. En ancien scandinave, Nez signifie cap. On essaie toujours de chercher les vikings matériellement, mais on ne trouve pas. Il y a quelques vestiges qui ont été trouvés sur la Seine. Hein. Le corpus d'objets s'augmente pourtant, mais il ne témoigne pas, il ne reflète pas l'implantation. Ça veut dire que l'implantation des vikings, d'un point de vue matériel, ne se voit pas. Environ 50 mots d'origine scandinave sont passés dans la langue française, un vocabulaire essentiellement lié à la navigation et à la pêche. Elisabeth Riedel rejoint Éric Marie, l'un de ses amis. Bonjour Éric, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Cet ancien professeur de lettres s'intéresse au patois de la Hague. Alors, qu'est-ce que vous pêchez là? Oh, un petit crabe. C'est une étrille. Ah, c'est une étrille, moi j'ai tout faux. Et est-ce que vous trouvez des homards? La Hague est quand même un coin. Ah oui, oui, mais là, il faudrait que nos en bateau. Ah, faudrait aller en bateau là-bas? D'autre bord, là. Et comment vous prononcez le homard, vous? Arouma. Arouma. Ah ben voilà. Pluriel des roumards. Là, c'est un terme d'origine scandinave, Umar, et en plus avec un H tellement aspiré qu'il en devient un R. Et ça, c'est une des rares influences, c'est la seule influence des Vikings sur la prononciation dans les parlers locaux de Normandie. Ah, ça fait qu'on dira la Hague au lieu de dire la Hague. Hein. Bon, on dira une rote au lieu d'une hotte. Hein. Et puis, bon, moi, en dehors au lieu de en dehors. En fait, la langue scandinave, hein, parlée par nos vikings, ne s'est pas transmise, a très vite disparu du fait qu'il y a eu peu de femmes. Hein, c'est la langue maternelle, comme son nom l'indique, ce sont les femmes qui la transmettent à leurs enfants. Donc, dans les patois, on voit bien qu'il n'y a pas de terme sur le quotidien. Il y a presque quoi, 5-6 mots, c'est tout. Aucun mot sur les enfants. Hein, donc, on voit bien que la femme est clairement absente. Carlingue, crabe, quille et peut-être même vague sont autant d'autres mots couramment employés dans la langue française dont l'origine est purement viking. Le nord du Cotentin et la Basse-Seine vont rapidement tomber aux mains des envahisseurs venus du nord, qui s'y installent peu à peu. À leur tête, un homme, Roland. Il va jouer un rôle primordial dans l'implantation des Vikings dans la région. Il n'hésite pas à s'attaquer aux villes de Paris, Saint-Lô ou encore Bayeux. Mais le 20 juillet 911, le royaume franc met en déroute l'armée de Roland devant Chartres. C'est le moment idéal pour les Francs d'engager les négociations. Nous sommes dans le Val d'Oise, en Île-de-France. C'est ici, à Saint-Clair-sur-Epte, que s'est déroulé un événement très important pour notre histoire, et cet épisode est relaté sur un vitrail qui se trouve à l'intérieur de cette église. «
Alors ce vitrail, le voici. On y découvre Roland. Roland, c'est le chef viking qui fait face au roi Charles le Simple. Nous sommes en 911 et les deux hommes s'apprêtent à signer le fameux traité de Saint-Clair sur Epte, traité qui va donner naissance au duché de Normandie. Et par ce traité, eh bien, Charles le Simple s'engage à céder à Roland les terres qui vont de l'Epte à la mer, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de la Basse-Normandie. Et Roland, en échange, promet de se convertir au christianisme et de défendre, bien sûr, le royaume en cas de nouvelles invasions. La légende raconte que Roland aurait refusé de s'agenouiller devant le roi pour lui baiser le pied. Il aurait demandé à l'un de ses compagnons de le faire à sa place. L'homme, saisissant aussitôt la jambe de Charles le Simple, l'aurait levé si haut que le roi en serait tombé à la renverse, provoquant un fou rire général. La Normandie, le pays des hommes du Nord, est née. Au large du Cotentin, nous prenons la direction des îles anglo-normandes. Une vingtaine d'années après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, les îles de Jersey et de Guernesey ont été rattachées au duché de Normandie. Guernesey compte environ 65 000 habitants. Sa capitale, Saint-Pierre-Port. Aujourd'hui, les îles anglo-normandes dépendent de la couronne britannique, mais elles appliquent toujours le droit normand. Une tradition, instaurée à l'époque des ducs de Normandie, perdure encore ici, à la cour royale. C'est la clameur de Harrow. Une manière originale et surprenante de porter plainte. À Guernesey, c'est le bailli qui est en charge de la justice. Si un propriétaire craint qu'une personne n'occasionne des dégâts chez lui, il doit immédiatement se rendre sur le lieu où se déroule la menace, se mettre à genoux en présence de deux témoins et réciter ces mots. Haro, 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 allez-vous mon prince, on me fait tort. La plainte doit ensuite être enregistrée dans les 24 heures. That is said. Harrow est considéré comme une référence à Roland, le premier duc de Normandie. Invoquer son nom, c'est lancer un appel à toute personne aux alentours pour venir en aide à celui que l'on vole ou qui est attaqué. Puis, il faut réciter le Notre Père en français, et la personne qui commet l'acte ou qui est sur le point de le faire doit s'arrêter immédiatement. Aujourd'hui encore, les baillis jugent des clameurs de Harrow. La dernière fois, c'était en 2010. C'est notre héritage qui nous rend différents et nous sommes très fiers de ne pas faire partie de l'Angleterre. Nous n'avons jamais fait partie de l'Angleterre. Et c'est notre héritage normand qui fait de nous des gens différents et uniques. La clameur de Harrow est en fait une coutume. Ici, la coutume fait force de loi. Un témoignage de l'histoire millénaire de la région. Sophie Poiré est professeure de droit normand. Elle vient régulièrement à la bibliothèque Priot, qui conserve une importante collection d'archives sur l'histoire de Guernesey. Parmi elles, Le Grand Coutumier de Normandie, un ouvrage qui, depuis le Moyen-Âge, réglemente la vie des habitants.
Accoutumier, c'est un traité de droit qui retranscrit les usages en vigueur dans une province. Alors, ce sont des usages qui se sont répétés dans le temps. On connaît l'adage « une fois n'est pas coutume ». Il faut qu'il y ait répétition sur une durée assez longue, puisqu'on disait que la coutume était immémoriale, c'est-à-dire qu'elle se situait au-delà de la mémoire d'un homme de son époque. Alors, un coutumier, c'est vraiment tous les usages au quotidien, comment se règlent les contrats, le régime matrimonial, tout ce qui est le quotidien des personnes. Parmi les droits toujours en vigueur, le droit de correction qui permettait à un homme de battre sa femme. Cette coutume n'est évidemment plus appliquée aujourd'hui, mais elle existe toujours dans les textes. Il faut savoir que dès que la femme est en la puissance de son mari, il peut faire à sa volonté d'elle et de ses choses et de son héritage. Alors, ce droit de correction, il avait quand même des limites. Des limites qui étaient posées par la coutume et précisées par les magistrats. Et ce que dit la coutume, c'est que le mari ne peut pas lui crever les yeux ou lui briser les bras ou la traiter vilainement. Alors, les magistrats ont précisé que le mari devait battre sa femme raisonnablement, c'est-à-dire donc qu'il ne devait pas faire couler son sang grandement ou se chauffer les pieds dans son sang. Il faut savoir qu'en Normandie, un homme qui était moqué par sa femme, une femme qui portait la culotte, hein, comme on dit, le mari pouvait subir ce qu'on appelait la peine de l'âne, c'est-à-dire qu'on le mettait à califourchon sur un âne, la tête du côté de la queue, parce que c'était jugé plus humiliant, et on le promenait dans les villages, sous les quolibets des villageois. Avocats vivent à Guernesey. Tous ont reçu une formation de droit normand à l'université de Caen, où enseigne Sophie Poiré. Ce soir, elle retrouve quelques-uns de ses anciens élèves dans l'un des pubs les plus fréquentés de l'île. Ils sont anglophones, mais pour suivre les cours de Sophie, il leur a fallu apprendre le français. Je suis née à Guernesey, je suis élevée à Guernesey, j'ai étudié l'histoire à Guernesey, mais avant d'étudier à Caen, j'ai jamais appris l'histoire de Normandie et les racines de Guernesey. Alors pour moi, c'était vraiment important d'étudier à Caen pour apprendre ça. C'est excellent pour la francophonie parce que, à l'heure actuelle, je pense que c'est un des seuls endroits au monde où des anglo-saxons sont obligés de parler le français, alors que partout ailleurs, on est plutôt dans l'inverse. La reine Notre-Duc. La reine Notre-Duc. C'est ainsi que les habitants de Guernesey ont coutume de porter un toast en l'honneur de la reine Elisabeth II. Une façon originale de rappeler que la reine est l'héritière de Guillaume le Conquérant, le plus célèbre des ducs de Normandie. Descendant de Roland le Viking, Guillaume naît au château de Falaise en 1027. Fils illégitime du duc Robert le Magnifique et de la fille d'un tanneur, il est surnommé le Bâtard. Il va devenir l'un des monarques les plus puissants de l'Europe occidentale. Caen est son lieu de résidence. Grâce à lui, la ville connaît un essor considérable. Le duché de Normandie rayonne. Le destin de Guillaume se joue en 1066. Il va conquérir l'Angleterre au cours de la bataille d'Hastings. Le déroulé de cette bataille nous est raconté par la tapisserie de Bayeux, un document de plus de 70 mètres réalisé au XIe siècle. Les différents épisodes de la conquête y sont représentés suivant une technique picturale très moderne pour l'époque. L'historien Pierre Bouet en est l'un des meilleurs connaisseurs.
Alors nous avons ici une des plus belles scènes de la tapisserie de Bayeux qui montre bien la technique utilisée par les brodeurs et par les dessinateurs. Si on regarde attentivement, on s'aperçoit que le premier chevalier tient sa lance en arrière comme s'il était décontracté, il est au repos. Et si l'on avance, on s'aperçoit que les lances sont droites. Plus on avance, plus elles sont penchées vers l'avant. Et puis, par la suite, on voit les chevaux au galop. Et on peut dire que la tapisserie de Bayeux n'est nullement une bande dessinée, mais qu'elle se rapproche plutôt de la technique du film que l'on connaît aujourd'hui. La bataille d'Hastings, c'est une véritable épopée. En quelques semaines, près de 1000 bateaux sont construits. Et dans la nuit du 28 au 29 septembre 1066, Guillaume, à la tête d'une armée de 15 000 hommes, fait voile vers l'Angleterre. Il a fallu embarquer quelques 4 000 à 5 000 chevaux en l'espace de quelques heures. Et cet embarquement s'est effectué sur des bateaux qui n'étaient pas adaptés à recevoir des chevaux. Chaque cheval est tenu par un palefrenier qui a obligation de le nourrir, de le calmer, de l'abreuver parce que la traversée va exiger l'immobilité du cheval pendant 18 heures. Le 14 octobre, Guillaume affronte les Anglais. Il ne lui faut qu'une journée pour venir à bout de ses adversaires. La raison de cette victoire écrasante, une parfaite maîtrise du combat à cheval. Les Normands, à cette époque, sont les seuls à se battre à cheval, à utiliser le cheval comme arme de guerre. C'est ce qu'on appelle le chevalier armé, la cavalerie lourde, qui a permis aux Normands, aussi bien en Italie qu'en Angleterre, de remporter pratiquement toutes les victoires. À la même époque, des sujets de Guillaume ont entrepris une autre conquête, celle de l'Italie du Sud. Je vous emmène à présent sur leurs traces. Tout commence au début du XIe siècle. Des chevaliers normands empruntent un chemin de pèlerinage, la Via Francigena, la voie des Français. Ils traversent la France, les Alpes, pour se rendre en Italie du Sud. Nous arrivons dans la région des Pouilles, au cœur du parc national de Gargano, là où s'achève la Via Francigena. C'è un altro percorso fatto da un Michele del Giudice connaît bien ce parcours. En 2012, il a cheminé pendant 3 mois le long de cette voie. La Via Francigena est le parcours qu'empruntaient à l'origine les pèlerins pour arriver en Terre Sainte. Les Normands, dans leur phase de christianisation, n'avaient pas les richesses des nobles carolingiens en France. Dei nobili francesi, i carolingi. Et ils partaient donc à la recherche de richesses en Terre Sainte. Di ricchezze in Terra Santa. Au bout du parcours, la ville de Monte Sant'Angelo. C'est ici, au sommet du mont Gargan, qu'est installé le plus ancien sanctuaire occidental dédié à l'archange Saint-Michel. «
Depuis le 8e siècle, la basilique entretient des liens privilégiés avec le Mont-Saint-Michel de Normandie. Pour les chevaliers normands, c'est donc une étape incontournable. Le sanctuaire est creusé à même la roche, dans les entrailles du Mont Gargan. Depuis des siècles, les pèlerins du monde entier empruntent cet escalier pour rejoindre la grotte sacrée. Selon la légende, Saint-Michel est apparu à trois reprises à un évêque pour lui demander de fonder ici même un sanctuaire. Dans la religion chrétienne, Saint-Michel est le défenseur de la foi, le combattant qui terrasse les forces du mal. Au cours des siècles, de nombreux sanctuaires lui ont été consacrés à travers toute l'Europe, un culte entouré de mystères. Car si on relie entre eux sur une carte ces différents sanctuaires, on obtient un axe parfait qui aboutit à Jérusalem. À l'endroit précis où l'archange a empêché Abraham de sacrifier son fils Isaac. C'est une ligne directe, droite, qui traverse toute l'Europe et va à Jérusalem, et donc vers l'Asie. C'est une chose magnifique, qui unit des territoires différents entre eux, qui unit les mers, les peuples. Lorsqu'ils arrivent dans la région, les chevaliers normands découvrent un territoire ravagé par les guerres qui opposent Lombards et Byzantins. C'est pour eux l'occasion de conquérir de nouvelles terres. C'est dans ce contexte qu'une famille normande va s'imposer durablement en Italie du Sud. Originaire de la Manche, la famille de Hauteville est composée de 12 frères. Parmi eux, Robert Guiscard. Il affronte les forces du pape en 1053. Vaincu, le pape n'a d'autre choix que de reconnaître la légitimité des Normands. Nous arrivons à Melfi, où les Hauteville établissent la première capitale normande en Italie du Sud. Ils y installent leur château, un lieu de pouvoir essentiel dans l'Europe du Moyen Âge. Au cours des siècles, la forteresse a été profondément remaniée, mais la ville de Melfi conserve aujourd'hui encore les traces de son passé normand. Ce
Ce campanile est un des rares vestiges que Melfi ait conservé de la période normande. Il a été construit en 1153 et à son sommet, on peut découvrir deux magnifiques griffons parfaitement conservés. Alors ces griffons, nous les avons déjà rencontrés, vous vous en souvenez, c'était dans un précédent grand tour en Crète, au palais de Knossos, le palais du roi Minos. Ils entouraient justement son trône. Et dans la mythologie grecque, ces griffons, qui sont à la fois lion et aigle, avaient valeur de protection. Ici, on les retrouve, mais dans la tradition chrétienne, ils ont représenté à un moment donné, en effet, la double nature du Christ, c'est-à-dire l'aspect terrestre et divin. Le lion pour le terrestre et l'aigle pour le céleste. Alors Melfi, c'est très important pour notre histoire parce que c'est dans cette ville, dans cette cité, que Robert Guiscard et le pape Nicolas II vont signer un concordat. Guiscard va jurer fidélité au pape, le pape en retour va nommer Guiscard duc, duc de Pouille, de Calabre et de Sicile, la Sicile qui reste à conquérir. Depuis Melfi, Robert Guiscard encourage ses chevaliers à épouser des jeunes filles de l'aristocratie locale. Direction la côte amalfitaine. À Massalubrenze, réside encore aujourd'hui l'une de ces familles fondées par un proche de Robert Guiscard. Depuis le XIe siècle, la famille Filangeri traverse l'histoire de l'Italie. Nous sommes chez la comtesse Aldoina Filangeri di Candida. Et la comtesse, la voici. Diplômée en conservation des biens culturels, Aldoina Filangeri est également disc-jockey. Un esprit indépendant, hérité de ses ancêtres. La devise de ma famille est « Fais que doit, avène que peut ». Moi, je me retrouve parfaitement dans cette devise parce que ça veut dire un peu « Fais vraiment ce que tu crois, ce que tu aimes, la passion que tu as. » Et si tu vas jusqu'au fond et tu mets la juste énergie, tu peux vraiment réussir à le faire. Tu peux vraiment rendre possible l'impossible. C'est pour ça qu'il y a des membres de ma famille qui ont fait du théâtre, qui ont fait de la photographie. Peut-être ils auraient fait des DJ aussi. Donc c'est l'esprit avec lequel on fait les choses. Donc ça, je pense pas que ça dépende de ce que tu fais, mais de comment tu le fais. Dans la famille Filangeri, on a fait de grandes choses. Au XIIIe siècle, ils sont aux côtés de Frédéric II lors de la sixième croisade. Au XVIIIe siècle, le philosophe Gaetano Filangeri rédige « La science de la législation », un plaidoyer pour une société plus juste. Cet ouvrage a servi de support à la rédaction de la Constitution américaine. Au XXe siècle, c'est Riccardo Filangeri, le grand-père d'Aldoina, qui est nommé au poste éminent de directeur des archives de Naples. Aujourd'hui, les filles de la famille Filangeri revendiquent leur héritage normand. Je pense que ce qui nous reste des Normands, c'est le caractère. Probablement un aspect assez guerrier qu'on a encore. On a des caractères très,
si on réagit assez. Chacun dans son genre, mais tout le monde a une grande personnalité. Souvent, c'est un héritage familial. Il y a eu beaucoup de personnages qui ont eu de grandes passions. Ils croyaient dans l'égalité, dans beaucoup de choses où je crois aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'aime faire partie de cette famille. Pas parce que c'est une famille importante. Ça ne m'intéresse pas ça, mais ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Nous poursuivons notre périple sur les traces des chevaliers normands le long de la côte amalfitaine. C'est l'une des dernières régions conquises dans la péninsule italienne. Voici Salerne, la ville dans laquelle Robert Guiscard livre l'une de ses célèbres batailles. Témoin de cette histoire, la forteresse de Salerne, installée sur les hauteurs de la ville. Cette forteresse de Salerne a été construite au VIe siècle et pendant très longtemps, elle a eu la réputation d'être imprenable. Imprenable jusqu'au jour où elle va tomber entre les mains des Normands. Nous sommes en 1076. Les Normands se pressent aux portes de la ville. À leur tête, Robert Guiscard. Il prend en étau la cité, côté mer et côté terre, et la ville ne va pas résister très longtemps. En revanche, le prince de Salerne, Gisolphe II, lui, va se réfugier dans cette forteresse avec une poignée de fidèles, une poignée d'hommes. Et là, Guiscard, le rusé, ne va pas donner l'assaut à cette forteresse, il va tout simplement attendre. Et le siège va durer de longs mois. Il va affamer le prince, qui va enfin capituler en 1077. Et c'est ainsi que Salerne va devenir la deuxième capitale normande de l'Italie du Sud. Alors, pour la petite anecdote, pour la petite histoire, eh bien, les deux hommes, Gisolphe II et Robert Guiscard, se connaissaient puisqu'ils avaient des liens de parenté. Ils étaient beaux-frères. En effet, Robert Guiscard a épousé en deuxième noce la sœur de Gisolphe II, Sikelgaite, qui pendant toute cette période d'affrontement entre les deux hommes sera tiraillée entre la solidarité familiale envers son frère et la fidélité envers son nouveau mari. Et finalement, elle prendra le parti de Robert Guiscard et l'histoire lui donnera raison. En 1077, Robert Guiscard devient le maître du sud de l'Italie. Avec son frère Roger, il concentre désormais ses troupes sur la Sicile, dont la conquête a débuté presque 20 ans plus tôt. La Sicile, c'est la plus grande île de la Méditerranée. L'Etna, ce volcan mythique, culmine à 3330 mètres. En plein cœur de l'île, la ville de Piazza Armerina. Chaque année, au mois d'août, il s'y déroule un événement exceptionnel, le Palio des Normands, une reconstitution historique retraçant l'arrivée du comte Roger de Hauteville en Sicile. Au salon de coiffure de la ville, Luca Messina s'affaire autour d'une véritable star du pays. Giusy Buscemi,
Elle a été élue Miss Italie en 2012. C'est elle qui a été choisie par la ville pour tenir le rôle de la grande dame au cours du palio. Pour moi, c'est une occasion unique. J'adore la Sicile et toutes les traditions qui font partie de la Sicile. Les Normands sont nos ancêtres. D'ailleurs, je suis très contente quand je vais à l'étranger, pas seulement en Italie, mais aussi dans d'autres pays, dans d'autres nations, et que les gens pensent que je ne suis pas sicilienne. Parce que les gens pensent que les Siciliens ont forcément les cheveux sombres et les yeux sombres. Moi, je dis tout le temps que je suis une jeune fille sicilienne d'origine normande. Et ça, c'est une occasion de plus pour représenter la Sicile normande. Luca, le coiffeur, revêt quant à lui l'habit du grand magistrat. Son costume et celui de la grande dame ont été loués, mais certains habitants le fabriquent eux-mêmes. Le grand magistrat, ce serait un peu comme le maire. Un personnage important qui gère, qui a en main la destinée de la ville. La città. La grande dame et les grands magistrats sont prêts. Ciao, ciao. Avec sa cathédrale baroque, son quartier médiéval et ses palais, Piazza Armerina est empreinte d'histoire. Pendant le palio, les 20 000 habitants se mobilisent pour faire revivre le temps des Normands. À quelques rues de là, le personnage principal de l'événement se prépare. Voici le comte Roger. C'est une figure très importante parce qu'il a libéré la ville des Sarrasins. Je me sens ému de représenter ce personnage historique, car il s'agit d'une figure très importante pour Piazza Armerina et une fierté pour la ville. Une élection a été organisée pour attribuer le rôle du comte Roger. 11 candidats ont été soumis au vote d'un jury et c'est Fabio Di Salvo qui l'a remporté. Le Palio des Normands fête ses 59 ans et réunit près de 500 figurants pour cette édition. C'est devenu la manifestation la plus importante de toute l'Italie méridionale. On vient du monde entier assister à cette reconstitution historique. La tradition veut que le comte Roger amène avec lui la bannière de Notre-Dame des Victoires. Elle représenterait l'étendard que le pape Nicolas II a remis à Roger lors de la guerre contre les Normands. Une fois la guerre achevée, l'étendard a été offert à Piazza Armerina et c'est encore aujourd'hui la patronne de notre ville. Le comte Roger est accueilli sur la place de la cathédrale par les notables de Piazza Armerina. On retrouve la grande dame et le grand magistrat qui vient à sa rencontre lui remettre les clés de la ville, un symbole d'allégeance. Les festivités vont durer 3 jours. Le point culminant de l'événement, c'est le moment du palio, le concours équestre. Nous nous rendons chez Salvatore Furriere. Dans la vie, Salvatore est garagiste.
Mais aujourd'hui, il devient chevalier. Il mio sogno è che fin da piccolo. Mon rêve d'enfance, alors que j'avais 5 ans à peine et que j'allais observer discrètement car on ne me laissait pas entrer, c'était de m'imaginer en chevalier. Et puis par chance, j'ai réalisé mon rêve. J'ai 6 chevaux. Le palio, pour nous, c'est tout. Salvatore participe à la joute médiévale qui oppose les 4 quartiers de la ville. Il est le capitaine du quartier de Monte. Depuis la création du palio, c'est ce quartier qui a remporté le plus de victoires. Il est également le grand favori cette année. C'est à présent l'heure d'aller au stade où se déroule la compétition qu'on appelle ici la Quintana. Le contre-jet ainsi que le grand magistrat et la grande dame viennent bien sûr assister au tournoi. On retrouve l'équipe de Salvatore en jaune. Il y a aussi le quartier de Casalotto avec son étendard vert. Celui de Canali, en rouge. Et enfin en bleu, le quartier de Castellina. Adrénaline au maximum. Chargé, on est chargé. C'est parti pour 3 heures de compétition. Les cavaliers s'affrontent autour de 4 épreuves d'adresse. Le but est le même dans chacune des manches. Atteindre une cible à l'aide d'une lance, d'une masse d'armes ou d'un javelot. Pour Salvatore, la première épreuve est un succès. Le quartier qui touche le plus d'objectifs l'emporte évidemment. La nuit tombe sur le stade et c'est à nouveau au tour de Salvatore de s'élancer pour la 3e manche. Il attrape sans aucune difficulté l'anneau avec sa lance, mais au moment crucial de la dernière épreuve, c'est l'échec. Le quartier de Castellina en bleu termine vainqueur. Le contre-jet lui remet la bannière de Notre-Dame des Victoires. Ça va, on se contente de la 2e place. Et puis ils ont aussi été brillants, ceux du quartier de Castellina, et ils méritent des applaudissements. Bien sûr, l'année prochaine, certainement, nous serons les premiers. À quelques pas de Piazza Armerina se trouve un autre joyau de la Sicile. Ce grand ensemble abrite de magnifiques vestiges de l'Antiquité romaine, datant du IVe siècle après Jésus-Christ.
On ne peut pas venir à Piazza Armerina sans faire le détour par une villa d'exception. C'est la villa romaine du Casal. L'histoire ne dit pas si les Normands l'ont habitée. En revanche, ils en connaissaient l'existence. Avec le temps, cette villa est tombée dans l'oubli. Puis, au tout début du 19e siècle, elle a été redécouverte. Et elle possède un trésor exceptionnel, 3500 mètres carrés au sol de mosaïques qui racontent la vie quotidienne à cette époque et qui, vous allez le voir, sont magnifiquement conservés. Les mosaïques du couloir de la Grande Chasse sont certainement les plus exceptionnelles. Elles représentent les battues pendant lesquelles on capturait les animaux exhibés ensuite dans les cirques de Rome. Éléphants, lions, sangliers, rhinocéros, toutes sortes d'animaux sauvages peuplent ainsi cette grande carte géographique de l'Empire romain. Ces mosaïques, d'une rare beauté, sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si elles ont réussi à traverser les siècles, c'est grâce à une inondation qui a eu lieu il y a plus de 900 ans. Ensevelies sous une épaisse couche de boue, elles ont ainsi été préservées. Ces mosaïques nous dévoilent un témoignage rare et précieux sur l'époque romaine. Avec ces jeunes femmes, par exemple, elles portent des vêtements ressemblant étrangement à nos bikinis d'aujourd'hui. Elle s'habillait ainsi à l'occasion de compétitions sportives. Nous restons dans la province d'Enna, à quelques kilomètres de Piazza Armerina. C'est ici que se fabrique le Piacentino Enese, un fromage de brebis dont les origines remontent à l'époque normande. Nous sommes dans la bergerie de Pietro di Venti. 3 fois par semaine, Pietro réalise une dizaine de fromages. Il commence par incorporer au lait du safran, suivant la même recette qu'au Moyen-Âge, lorsque Roger de Hauteville s'établit dans la région. Derrière ce fromage, il y a l'histoire de la reine qui était dépressive. Alors, Roger est allé trouver un berger et il lui a demandé de lui faire un fromage avec du safran. Car le safran a des vertus curatives. La reine avait besoin de manger ce fromage pour se sentir mieux. Alors le berger a préparé ce fromage au safran. Ils l'ont offert à la reine, qui a guéri. Pietro di Venti est l'un des 13 producteurs en Sicile à fabriquer ce fromage. Voilà, petit à petit, vous voyez comment on procède. Il lui faut environ 4 heures pour réaliser une dizaine de pièces. Il gusto di questo formaggio. La saveur de ce fromage est dominée par le safran. Après 60 jours d'affinage, il aura un meilleur goût et un arôme magnifique. On a énormément de demandes pour ce fromage. On l'expédie même aux États-Unis, en Russie. Depuis 2011, ce fromage est protégé par une appellation d'origine contrôlée. La reconnaissance d'un savoir-faire presque millénaire à laquelle Pietro a activement participé. Nous sommes très fiers, car on a de l'or dans les mains.
Et c'est un fromage très recherché, excellent. Et d'ailleurs, il s'appelle le Piacentino Ennese, car c'est un fromage qui plaît. Piacentino, ça veut dire qui plaît. Nous quittons le centre de la Sicile pour rejoindre la côte en direction de Palerme. Très rapidement, les frères de Hauteville contrôlent le nord de l'île, à l'image de Cefalù, dont la cathédrale témoigne de l'influence normande sur la région. Mais pour devenir le maître de toute la Sicile, Roger doit s'emparer de Palerme. Avec son frère Robert Guiscard, il va assiéger la ville pendant 5 mois. Abbiamo le fragole di Marsala! Di Marsala! Quelli dolci però, quelli dolci, prego. Hanno la vitamina C, la vitamina E, la vitamina U, la vitamina A. Maria, quanto vitamina che ci sono. Che bella frutta! Palerme est l'une des villes les plus vivantes et les plus pittoresques de la Sicile. Le marché de Ballaro, foisonnant, cosmopolite, en est une parfaite illustration. Fave a 1200, fave di mia suora, fave fresca. Molta merce italiana, made in Italy. Avec les Normands, la Sicile connaît un véritable âge d'or. Les sciences et les arts rayonnent. Poètes et troubadours chantent les exploits légendaires de Charlemagne et de ses paladins. Ces textes médiévaux, les chansons de gestes, font toujours partie de la culture sicilienne. Nous sommes dans le théâtre d'Enzo Manciuso. Re di Francia, imperatore del Sacro Romano Impero. Paladini! Enzo est le gardien d'une tradition populaire née au début du 19e siècle, les pupi, les marionnettes siciliennes. Ha portato scompiglio dentro la mia corte. Opera dei pupi. Le théâtre de marionnettes ne voit pas le jour avec ses chevaliers, mais avec des marionnettes de paille sans armure qui représentaient des épisodes de vie populaire. Ces chevaliers sont arrivés parce que les gens étaient passionnés par les troubadours qui racontaient les aventures, les chansons de gestes de Charlemagne et de ses paladins. Seguitemi! Abbiamo la guerra, maestra, abbiamo la guerra! Eccomi in alto! Ma la ciccia ha fermato il duello! Pour s'adapter au goût du public, les marionnettistes mettent en scène les chansons de gestes popularisées au Moyen-Âge par les Normands. Ils créent de véritables opéras et fondent de petits théâtres de quartier dans lesquels se pressent chaque soir les habitants de Palerme. L'opéra dei pupi non era solamente un'attrazione. Le théâtre de marionnettes n'était pas seulement une attraction. Era anche un centro. C'était aussi un lieu de rencontre du peuple où on se retrouvait pour parler de politique, de travail, de tout ce qui se passait dans les quartiers.
nei quartieri. Et puis, il y avait le public des habitués, qui suivaient les aventures et participaient au spectacle. Surtout dans les scènes de trahison, de duel. Les spectateurs étaient prêts et venaient avec des tomates. Ils retiraient leurs chaussures pour les lancer sur les marionnettes. Car ils étaient tellement passionnés en suivant ces aventures que tout ce qui se passait là leur semblait réel. Ritornerò vittorioso! Col cospetto di mio zio l'imperatore Carlo Magno. Ma con tanta gloria severa, grazie a tutti e ciao ciao a tutti! Fine dello spettacolo! Ciao bambini! Enzo restaure et fabrique lui-même ses marionnettes. Un savoir-faire hérité de son grand-père, le premier pouparo de la famille. Il manque la cuirasse pour commencer à l'habiller. La cuirasse et toute l'armure sont réalisées à la main, pièce par pièce. Pour fabriquer un personnage de ce genre, on travaille entre 20 et 25 jours. Je me revendique comme l'un des derniers marionnettistes de tradition. Mon école, c'est l'école familiale. J'utilise des instruments modestes pour créer les sons du théâtre des marionnettes. Les voix que je prête aux personnages appartiennent aussi à la tradition. Il s'agit de mon travail principal, pas d'un hobby ou d'un passe-temps d'un employé de bureau. Mon métier, c'est marionnettiste. Lorsqu'ils prennent Palerme en 1072, les Hauteville mettent un terme à l'occupation musulmane de la Sicile. Aujourd'hui, la ville est devenue un véritable millefeuille architectural dans lequel on retrouve les traces des dominations successives. La cathédrale et ses motifs islamiques témoignent ainsi de l'influence des Arabes qui contrôlent la ville entre le 9e et le 11e siècle. Les Normands s'installent dans cette forteresse qu'ils vont transformer en palais, le palais des Normands. C'est aujourd'hui le siège de l'Assemblée régionale sicilienne. L'historien Pasquale Hamel, spécialiste de l'histoire normande, nous conduit dans l'une des plus anciennes salles du palais. Depuis ses appartements privés, Roger II, le fils de Roger de Hauteville, va faire de la Sicile le centre du monde méditerranéen. Nous sommes dans le bureau de Roger, une des plus belles salles du palais. Sa particularité, c'est sa magnifique décoration en mosaïque. Ses pattes de verre laminées d'or resplendissent magnifiquement. Cette décoration rappelle un goût oriental. Cela indique à quel point la culture islamique était importante et présente durant la période normande. Elle était respectée par les Normands qui l'ont aidée à laisser son empreinte. À l'étage inférieur se trouve la chapelle palatine, le chef-d'œuvre de Roger II. Elle a été voulue comme la synthèse des différentes cultures qui influencent la Sicile de l'époque. «
Si on regarde plus attentivement ce temple, ce splendide écrin, car c'est un écrin magnifique, on retrouve l'église latine, avec la grande nef centrale et les deux nefs latérales. L'église grecque, avec la coupole implantée centralement, et le plafond islamique, à alvéoles et stalactites. C'était l'expression typique de cette culture normande, de cette culture extrêmement ouverte. Les trois grandes communautés, avec la communauté hébraïque, vivaient en paix. Et ça, c'est un des éléments, un des miracles qui se réalise, peut-être pour la première fois, dans ce monde extrêmement féroce, qui était le monde médiéval. C'était le sceau du royaume normand, sa culture, son message aussi pour le monde. Roger II est couronné en 1130. Quelques décennies après Guillaume le Conquérant, un Normand accède de nouveau à la royauté. À présent vers un lieu extraordinaire à Palerme, le Palais Gangi. Il se trouve en plein cœur du quartier de la Calza. Le Palais Gangi, c'est l'exemple parfait du baroque sicilien. Nous, Français, nous le connaissons à travers le cinéma et le film Le Guépard, avec Alain Delon et Claudia Cardinal. La fameuse scène du Grand Bal y a été tournée. Aujourd'hui, la princesse Karine Vanimontegna di Gangi nous ouvre les portes de sa fastueuse demeure. On a là, avec le Palais Gangi, le raffinement du XVIIIe siècle. Mais à l'époque normande, XIIe, est-ce qu'on connaissait, est-ce qu'on vivait dans un tel raffinement ? Alors, c'était, le Palerme était une ville très, très raffinée, parce que sous l'influence arabe, il y avait toutes ces plantations magnifiques d'agrumes. On appelait le golfe de Palerme la coquille d'or, la conca d'oro. Et puis, il y avait ces constructions superbes qui avaient été réalisées par les Normands, mais très inspirées de l'architecture fatimide, comme la coupe, la dzidza, qui était entourée de lacs. Il y avait tous ces jeux d'eau qu'avaient laissés les Arabes. C'était une ville qui était très intellectuelle. Aussi, il y avait aussi tout le raffinement des Byzantins. Donc oui, il y avait un raffinement superbe à Palerme. C'était une ville magnifique. Que sait-on sur la personnalité de Roger II, ce Normand ? Alors, ce Normand était-il si Normand que ça ? Ouais. Parce que, effectivement, il s'habillait soit avec des vêtements byzantins quand il devait aller parler avec les Grecs byzantins, sur son fameux manteau, où on voit bien le lion qui domine le chameau arabe, mais il a toutes les inscriptions arabes. Il était très, très moderne. Il a été très moderne parce qu'après les batailles pour envahir la Sicile et tout le sud de l'Italie, il a vraiment cherché à s'intégrer. Les Normands se sont intégrés. Cette intégration a duré une centaine d'années. Et on considère aujourd'hui que peut-être ils ont été à l'origine de ce mouvement européen. Et c'est très, très important parce que le sud d'Italie est la seule partie de l'Italie qui reste unie. Ce fameux royaume des deux Siciles reste uni et on ne retrouve pas cette union dans le reste de la péninsule. Mais est-ce qu'il a vraiment voulu garder cette influence normande ? On peut avoir des doutes. Son principal ministre, son premier ministre, c'était Georges d'Antioche, qui avait eu pendant très longtemps, qui avait travaillé pour les Byzantins, qui a eu de très grandes relations avec les Arabes, qui avait le titre d'émir des émirs, donc qui avait un lien extrêmement fort avec le monde arabe. Dans l'art religieux, d'ailleurs, on voit bien ce syncrétisme. Oui, alors, il a été très,
très habile. D'abord, je pense qu'il aimait beaucoup les arts des Byzantins et des Arabes, énormément. Et il a utilisé ces formes d'art pour les mettre au service de la religion chrétienne, des chrétiens. Et c'est très habile. C'est très habile et les résultats qu'on peut voir dans cette ville de Palerme sont sublimes. Ce syncrétisme dans l'art religieux se révèle parfaitement dans un endroit incontournable, à quelques kilomètres seulement de Palerme, la cathédrale de Monreale, le dernier chef-d'œuvre de l'art normand en Sicile. Et c'est justement la princesse qui nous fait visiter ce site exceptionnel. Sa réalisation a nécessité 10 ans de travaux, un grand nombre d'ouvriers et d'artisans, sans parler des sommes considérables dépensées pour l'achat des matériaux précieux. 2200 kilos d'or ont été utilisés pour les seules mosaïques. Une cathédrale voulue par Guillaume II, le petit-fils de Roger II, à cet endroit précis. Alors, il choisit cet endroit parce qu'on est bien au-dessus de Palerme. On est à un endroit où il y avait une réserve de chasse. Et on raconte, la légende raconte qu'il s'est endormi, qu'il a rêvé de l'endroit où était le trésor de son père. En fait, que c'est la Vierge qui lui a révélé où était le trésor de son père, qu'il a trouvé le trésor. Et donc, qu'il a voulu donner, offrir cette magnifique cathédrale à la Sainte Vierge. Et cette cathédrale est un art de synthèse. Elle réunit là toutes les influences. Oui, ici, vous avez vraiment toutes les influences. Donc l'architecture est purement normande, hein, romane tardive avec l'assise et les deux tours. Et puis on a toutes ces magnifiques mosaïques byzantines avec le Christ Pantocrator, ensuite les apôtres, les saints, bien sûr la Vierge, et ici dans la nef principale, les représentations de tout l'Ancien Testament. Et on peut admirer ces couleurs et qui sont un peu plus passées que celles de la chapelle palatine, mais la beauté également des visages et l'expressivité de ces visages. Hein, ici, on voit toute la Genèse, on voit également l'Arche de Noé, qui est particulièrement jolie avec son bestiaire. Et puis, l'autre grande influence, bien sûr, c'est l'influence arabe. Les artistes arabes qui ont travaillé ici, on voit cette très jolie frise, ça ressemble à des petites palmes. En fait, ce sont des fleurs de lys stylisées. Toutes sont différentes les unes des autres, ça c'est purement arabe. Et ces magnifiques plafonds en bois, avec ces plafonds en stalactites qu'on voit tout près du Christ Pantocrator, qui sont typiquement arabes. Guillaume II meurt en 1189. Il a seulement 36 ans. Il ne laisse pas de successeur. Avec lui s'éteint la grandeur des Normands en Sicile. Frédéric II, son cousin, à moitié normand, perpétuera cependant les traditions lointaines des Hautes-Villes. Mais c'est déjà une autre histoire. Voilà, ainsi se termine cet épisode du Grand Tour. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet. Vous découvrirez tous les bonus de cette émission, mais aussi des précédentes. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et Facebook. Fin de l'épisode, mais le voyage continue. C'est par la fin que tout commence. À bientôt.